littéralement, quoi. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Entrée de Live, où donc nous reprenons l'aventure Berserk et on essaye de battre Femto. Qui pour l'heure mais nous défonce. Là, on arrive au moment le plus casse-pied. Je comprends pas comment gérer le debuff. Et je sais pas comment approcher Femto sans me prendre ces tornades dans la gueule. Oui, on va se calmer un peu. Jot, tu peux arrêter d'être en PLS? Mais regardez-moi ça, c'est une horreur! Si c'est pas ces tornades, c'est ces putains de dômes qui m'empêchent d'avancer, quoi! Bon, ça a l'air d'être plus propre là. Bon, on est déjà un peu plus propre quand même. J'ai pigé comment le debuff marche. En fait, il fait pop un Bailey de mauve à chaque fois dans son tour. Ah, par contre, ces sphères qui me foutent en PLS, là, ça me... Ouh. Ah, il est chaud, Femto. Franchement, il est très chaud, ce boss. Mais de quoi? Je me suis rien pris, là. Eh ben, allez, je me fais joindre Pank. Non, non, non! Oh, mais sphère de... Oh!
Oh là là, mais je me fais... Mais tellement grande bande à toutes ces sphères de stun. Et allez, les tornades. Et là, je me relève même plus. Merveilleux. Ah, c'est merveilleux. Ah, c'est du grand art, ça. Comment t'es censé faire quoi que ce soit quand il te balance tout ça à la gueule? Comment? Même en allant dans son dos, ça passe pas. Je ne pige pas ce que je dois faire. Mais je suis censé faire quoi dans les tornades de Femto, quoi? Là, le jeu de me dire fais ci, fais ça, mais oui. Oh oui. Oh putain, je n'y crois pas. J'ai pas du tout compris comment je l'ai battu, hein. Je sais. À un moment, il a arrêté de faire cette tornade, je sais pas pourquoi. Alors, pour ceux qui se demandent ce qui se passe, parce que vu que c'est censuré et coupé, bah voilà. Ben en fait, Femto est en train de violer Casca sous les yeux de Guts. Voilà. Ah, je vous avais dit que le monde était trash, hein, pour ceux qui se posent la question, hein. Utsukushi, Mona Lisa Malva, Ai, Zo, Kutsu, Kairak, Seishi, Subete ga asoko. Kore koso ningen, kore to Mayo.
Oui, Skull Knight est totalement pété. Hein, je tiens à le préciser. Pour ceux qui l'auraient pas compris. Oui, et pour ceux qui me diront, ouais, bah tu vois, il doit avoir plusieurs pièges les tornades, oui, c'est clair. Mais j'ai vraiment pas pu comment je l'ai battu. Il a un moment arrêté, et là j'ai pu foncer dessus pour l'abattre, mais. ことは不可能よ。私たちもまた神ではないのだから。それともボイド、これも定められた運命の一つ。Oui, par contre, ce petit con est encore vivant. いずれにせよ、時はもう流れ始めてしまったわ。五人目の天使は誕生してしまったのだから。闇の時が訪れる。あらゆる闇が光を凌駕する時代。後に人はこう呼ぶだろう。暗黒時代と。Bon, alors grosso merdo, donc on a réussi à se sauver, enfin à être sauvé. Mais le problème c'est que là visiblement l'éclipse a amené une ère de ténèbres sur la Terre. Donc il va y avoir beaucoup d'apôtres. Mais la vache, quoi. Femto, il m'a fistigné durant le jeu, quoi. Excusez-moi, j'ai fait tomber du détail. Riker nous a ramené chez Loto. Et pour ceux qui n'auraient pas suivi, on s'est arraché le bras pour essayer de sauver Casca et on a perdu un œil dans l'histoire. Casca, où est-ce? キャスカお姉ちゃんならあそこだよ。ほら。え、キャスカ、pour sa part, est devenue folle。キャスカ。キャスカ。C'est très beau, c'est très bien représenté la folie dans le jeu vidéo quand même。もう終わったんだ。わからないんだ。ガッツだって覚えてないんだ。ガッツのことも俺のことも。ダメだよ。今無茶したら命に関わるよ。それに外には絶対出ちゃいけないってあの人が。え、ラギョツ、え、キッラグロット、en fait。Alors que. Il explique que Skull Knight leur a dit de pas foutre le camp, quoi. Mais là, c'est parti, il en peut plus.
Tous ses meilleurs amis viennent de mourir devant lui de façon atroce. La femme qu'il aime vient de se faire violer par son meilleur ami qui est devenu un putain de démon. Et en plus de ça, elle a perdu la raison. C'est ce qu'on peut appeler une journée de merde. Sans parler du fait qu'il a perdu un bras et un œil, hein. Tout va bien. Et attendez, c'est pas la fin des réjouissances. Oui, toutes les nuits, Gott se fera pourchasser par tes esprits et tes morts-vivants. Et ce, tant qu'il portera la marque du sacrifice, donc c'est-à-dire jusqu'à qu'il meure. Et donc là, il lui explique ce que je viens de vous dire, en fait. Ah, trop bien, on va vous battre avec l'épée de Skull Knight. Ça, c'est classe. Par contre, je vais prendre ça et virer. Ouais, je peux up sur la tête, mais il me faut des pierres rouges quoi, pour le up quoi. Ah ouais, carrément. Il faut que je hop cet anneau là, j'ai besoin vraiment de plus de PV et d'attaque.
Il faudra que je lui en trouve d'autres, des anneaux comme ça. Il en a pas, lui, là, pour le moment. Non, dommage, parce qu'il faudrait vraiment que je... que j'en refasse de nouveau et plus pété. En fait, mon meilleur, et je pense que c'est le plus parfait, c'est lui. Ça peut être bien. Ça peut être bien. Il me faudrait en fait un anneau avec les mêmes, d'autres anneaux avec les mêmes stats, quoi. Donc il faudrait que j'en retrouve, t'es comme ça. Et que je les amalgame correctement, parce que j'ai vraiment fait de la rage en fait. Oh, attendez, que j'ai au moins acheté ce qu'il proposait le marchand. Oui, merde. Oh là là, mais elle est tellement classe cette épée. Bah, toi, ils sont pas cassés le cul pour l'animation, hein. Malgré qu'il a un bras montant, il faut toujours qu'il avait son bras à gauche. Bon, après, c'est logique, il a perdu récemment, vous me direz, mais bon. お前は畳めばならん。それが生贄の烙印を受けたものの定め。定め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 
ゃねえぞ。要するにこいつは戦だ。いつもと何も変わっちゃいねえ。戦ってのは最後に立ってたもん勝ちなんだよ。いいか、てめえら今地獄に叩き返してやるから、あの顔色の悪い連中に言っとけ。俺は殴られたら必ず殴り返す。俺を食い残したのが貴様らの運の尽きだってな。貴様らもあの腐れ化け物どもも一匹残らず俺が狩り殺す。これが海鮮の呪しだ。つけたのだ、もう一つの松明を。松明、キャスカ。Ah ouais, et là donc on apprend qu'il fonce à la tête des Casca. Et donc là on fonce la protéger bien évidemment.
言っておこう。俺たちはあの裏山に運んでいる。不安な場所のことは誰にも話してくれず。さてな。Et non, tiens, je reviens sur un débat que j'avais lancé, enfin sur une discussion que j'avais expliqué par rapport à mon personnage préféré de Berserk. Parce que là, maintenant, c'est bon, je peux aborder le sujet. Eh bien, mon personnage préféré, c'est Casca, en fait. Alors, vous allez m'expliquer un peu. Alors, vous allez peut-être me demander pourquoi. Bien, c'est plutôt simple. Casca est en fait le personnage le plus humain du manga. C'est vraiment elle qui apporte une humanité au truc. Je suis désolé. Guts. Comment dire ? Comment dire ? Guts devient un véritable barbare suite aux événements de l'éclipse. Littéralement, vous allez voir, parce que là. Il va vraiment devenir une machine à carnage. Et Griffith, c'est devenu un putain de monstre, tout simplement. Alors que Casca, bah, elle a réagi comme n'importe quel être humain normal à réagir face à ça, quoi. Soit tu meurs, soit tu t'en sors pas mentalement stable, quoi. De son 70. Ah ouais, d'accord. Là en fait du fantôme et de l'âme maudite, bordel de merde. Ouais, ok, par contre les enchaînes vraiment. C'est pas permis. Et donc voilà l'histoire, c'est vraiment Casca que je préfère dans ce manga, sincèrement. Après évidemment c'est Guts, hein, mais voilà, j'aime beaucoup le personnage de Casca. Oula, je me fais PLS. Rien comme vif. Putain de sac à PV quoi. Ah oui, j'avais oublié aussi ça. Alors, comment vous dire ?
Bon, on va dire les choses qu'elles sont, hein. En somme, elle était enceinte de Guts. Et Griffith a corrompu le fœtus en la violant. Et donc voilà l'enfant corrompu de Guts, Casca et de Griffith. Casca, ok, ando malada. Oui, ce manga est trash. Et encore, là, c'est très très résumé. その娘、荒野の地底いたのだ。その宿したばかりの形にもならぬ胎児に魔が取り付いた。おそらくあの新しきゴッドハンドによって、それは生まれながらに魔の差がを受けた呪われし子だ。 それじゃこいつは。 待てよ。 殺しておいた方がいい。 それは人の子にあらず。 いずれお前たちに災いをもたらすぞ。 うるせえ。 ちょっと待てよ。 違う。 こいつは魔物だ。 仲間を食い殺し、 キャスカをこんなにしまった魔物の一匹。 近き場にずれたのだ。いずれまたお前たちの前に姿を現す。子は親を慕うものだ。魔は魔のやり方でな。 Oui, Guts passe une journée de merde. さらばだ。 我らもまた相まみえることもあるだろう。 Il passe clairement une journée de merde. 人外どもを追うならば、 その烙印の導きに従うことだ。 Attends, je sais pas vous, mais je trouve que les textures pour Skull Knight, elles sont assez dégueulasses. Elles sont très très dégueulasses. 本当に行っちゃうの? Ah oui, et Guts, là maintenant il s'en va. Pas qu'il veut abandonner Casca et autres. En fait, pour expliquer, c'est qu'il part en quête de vengeance et il va tuer tous les apôtres qui croiseront son chemin. Et tout ce qu'il veut aussi, c'est retrouver Griffith ou Femto, hein, dont vous préférez, et le tuer. Guts, 本当はね. Et il demande à Ricker de veiller sur Casca. Parce qu'en fait, les esprits ne peuvent pas aller dans la grotte où elle loge, parce que en fait, cette grotte est un ancien abri d'elfes et donc il est protégé par la magie. まだ俺たちがいる。この戦はまだ終わっちゃいねえ。キャスカを頼む。俺たちの大将だ。守ってくれよ。
俺は切り込み隊長だからな。敵陣に切り込む。だろ。その日、死せる太陽があまねく国々の上にあった。黙示録に曰く、ごたび太陽が死せるとき、新しき古き名の都の西に赤き湖が現れる。それは、すなわち五番目の御使いが舞い降りし明かし、御使いは闇の高鳴り、罪深き黒き羊たちの主にして、盲目の白き羊たちの王、世界に暗黒の時代を呼ぶものなり。Ah, et il faut savoir que Goto a fait une petite surprise à Guts, il lui a fait une prothèse. En fait, il lui a fait une main tout en métal, artifice, enfin tout en métal, oui, hein. Avec une main en aimant. Résultat, il peut manipuler son épée avec cette fausse main. Et aussi, il a une nouvelle épée. Goto a été banni parce qu'en fait, son roi, dont il était un forgeron respectable, lui a dit de faire une épée suffisamment puissante pour tuer un dragon d'un coup. Bah il l'a fait, donc c'est une épée surdimensionnée, que personne ne pouvait manier. Le roi a pris ça pour une insulte personnelle, et a donc, comment dire... Il a décidé, bah enfin il a considéré que Goto s'était foutu de sa gueule, et il l'a banni en fait. C'est pour ça que Goto vit seul en montagne maintenant. Oh, il y a des events. Ah, donc là, on va voir l'event de la Dragon Slayer. Mais normalement, ça se passe... Ah ouais, c'est pas du tout comme ça. Ah, c'est... Dragon Koroshi, d'ailleurs. Voilà, c'est l'histoire que je vous ai expliquée. そこでおりゃ鍛えてやったのよ。言われたままにドラゴンをぶっ殺せる剣を。殺せるんですか？これなら本当にドラゴンを殺せるんですか？ドラゴンってのがいやな。おめえのお友達は何やらドラゴンとでもやり合おう競争だな。やつには二の勝ちすぎる相手なんじゃねえのか。ドラゴンってのは人間の手に負えねえからこそドラゴンなんだぜ。うちの父ちゃん名工とか言って町じゃすんごく有名なんだから何でも作っちゃう天才なんだ。Goto était le forgeron le plus pété de la cité。リケルトもやってみたら？父ちゃんに教えてくれるよう頼んであげる。Ce n'est pas faux à savoir parce que ouais, excusez-moi, je suis un peu fatigué parce que le mec quand même il a réussi à faire une main artificielle tout en métal au Moyen Âge quoi. Je veux dire chapeau.On parlait de cette armure ultra... Merde, qui était le mot d'histoire. Cette armure ultra pétée que porte Guts constamment, quoi. Et là, on arrive au deuxième arc, donc l'arc du guerrier noir. Ah ouais, d'accord.Tous les persos tuer quoi par rapport à Guts, ils sont tous tellement en retard maintenant. Nani mo kangaezu ni koroshi tsukuseba ii. Oh oui.
Oh que oui. On va vraiment avoir besoin de tout cela, donc... C'est vrai, jusqu'au matin. Ah, donc on va pas affronter le gouverneur ni le seigneur serpent, quoi. Ah, c'est dommage, ça, parce que franchement, ça, ça aurait été cool de les mettre. Ah ouais, on a l'arsenal de Guts maintenant. Ah, nickel. Des bandits, sérieux. Alors, je sais pas... J'espère, mais franchement, je les plains, ces mecs. Défaite The Thug. Y'a des thugs. Ah ouais, maintenant t'es mort vivant. Ah oui, ça c'est bon. Oui, ok, je vois à quel moment on est. Merde, quel con. Quel con, j'ai gaspillé bonnement un truc de PV. Ah, sympa cette nouvelle animation. Très sympa. Imaginez quand même le fait de ne pas pouvoir se reposer la nuit et tout parce qu'il est attaqué par tes morts non-stop. Sans parler du fait qu'il ne se repose pas le jour, il voyage en journée aussi. Hein. Il dort à peine en fait et il est constamment à l'écran. Maintenant, j'ai tellement de là dans cette armure. Ah,
Allez, on va sur plusieurs essayer le canon. Le canon fait son petit effet, hein. Violence de ce niveau 4 de furie, quoi. Par contre, ça arrivait un problème. La difficulté est hyper mal calibrée sur ce jeu. Parce que autant ça, vous pouvez vraiment y aller en mode berserk, ça passera crème, je pense. Mais autant les boss, vous oubliez. Bon, je suis sûr que ça peut être faisable par. Je suis sûr qu'il y en a qui le font, hein, mais. C'est tellement hard, quoi. Fait un peu plaisir, hein. Quoi ça? Ok. Sympa cette nouvelle stat. Oh, j'ai entendu des mots d'histoire sans le vouloir. Merveilleux.